Bonjour à toutes et tous, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer à la fois, je ne sais pas si on peut dire un anniversaire, deux anniversaires ou trois anniversaires. Je ne pense pas à quelqu'un dans la salle. Hein. Moi, j'ai passé il y a déjà quelques temps, mais en fait, on célèbre les 40 ans, c'est comme ça que vous avez baptisé l'événement, les 40 ans de Novae Ingénierie et Savoir-Faire Innovant, mais si on est complètement traçable et transparent, c'est les 37 ans des cahiers techniques de l'INRA et les trois premières bougies de la nouvelle revue Novae qui continue. Donc, c'est un peu tout ça en même temps. Je suis ému de voir, parce que j'en avais vu des photos, mais pas en vrai, le premier numéro des cahiers des techniques de l'INRA, bulletin de liaison interne qui date de mai 1983. Ça. Il y a 40 ans, à l'époque, l'INRA était 149 rue de Grenelle. C'est dire. Voilà, il s'est passé des choses et voilà, c'est un moment évidemment symbolique, c'est une longue histoire. Je vais peut-être l'évoquer, Michel, je ne sais pas si tous les collègues qui sont là la connaissent, ou peut-être que tu avais prévu de l'évoquer aussi ensuite. Donc, l'histoire même est quand même assez chouette, puisque c'est parti, ce projet de revue, non pas d'une décision de la direction générale de l'INRA de l'époque ou de sa direction de la communication, mais d'une initiative de deux techniciens. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas. Non, quand même pas. Malheureusement, ils ne peuvent pas l'être. Madeleine et Yves, qui avaient décidé de partager des savoir-faire, des résultats que les techniciens de l'INRA à l'époque, l'INRA aujourd'hui, ont tous les trésors d'innovation technique qu'ils sont capables de déployer, de développer. Et donc, c'est parti de ça. C'est effectivement. Presque se dire étonnant qu'il n'y en ait pas eu avant, mais peut-être qu'on était encore dans un moment où la publication était plutôt réservée aux chercheurs et aux scientifiques, et les techniciens au service des chercheurs et des scientifiques, mais dans les faits, ils avaient eu cette bonne idée de rendre visibles toutes ces inventions, ces dispositifs techniques qui sont précieux et sans lesquels la recherche ne serait pas possible. Donc ils ont été aidés assez vite quand même, donc l'Institut a bien réagi. Pas eu besoin de rester trop longtemps dans l'ombre, ils ont été aidés par le service de publication de Versailles et la direction de l'information et de la valorisation qui ont vu l'intérêt de la revue pour la déployer. Et c'est cette belle idée qui s'est déployée avec le temps, qui s'est professionnalisée évidemment, qu'on célèbre aujourd'hui. Et je crois que les valeurs ou l'intuition initiale de ces porteurs sont toujours présents, en tous les cas, c'est ce que vous direz peut-être mieux que moi, l'équipe de rédaction d'animation, sont toujours au cœur du projet de Novae, c'est ça qui est fort, aussi, qui justifie qu'on parle des 40 ans, c'est qu'il y a cette continuité dans l'idée de rendre à la fois hommage au savoir-faire, à l'engagement des techniciennes, des techniciens, des ingénieurs, des agents de notre belle maison. Et c'est pas que pour leur rendre hommage, c'est aussi pour faire connaître, partager ces savoir-faire techniques à l'échelle de nos communautés de travail, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Donc beaucoup de choses se sont développées, ont pu être rendues visibles. Je pense évidemment à la fois à des inventions, mais aussi à des prototypes. Et la rubrique matérielle, ce que je lis dans mes notes, parce que moi-même je ne la connaissais pas, hein, évidemment, et la rubrique matérielle et méthode des articles scientifiques sans lesquels, au final, la science ne se ferait pas, a été bien remplie. Plus de 700 articles ont été publiés durant ces 40 années. C'est une façon, une autre façon peut-être, de relire à travers l'histoire de la revue, relire l'histoire de l'Institut, de l'INRA, puis de l'INRA aujourd'hui, sa trajectoire, l'évolution des problématiques de recherche, des priorités, des questions posées. Donc là, s'il y a des historiens des sciences dans la salle, il n'y en a peut-être pas, mais ça doit être une mine aussi de ce point de vue-là. La revue, elle s'est aussi donné les moyens, je crois que c'était un point fort, d'accompagner ses contributeurs, qui pour la plupart d'entre eux, au début, étaient des néo-publiants, dans cette prise de risque, hein, le fait que là, tout d'un coup, même si on était sollicité par ses collègues, on prenait le risque de se mettre à écrire dans une page blanche, qu'est-ce que je raconte, est-ce que ça va intéresser les collègues, est-ce que c'est au niveau, enfin, voilà, c'est une façon de se mettre un petit peu à nu, et donc l'accompagnement des néo-publiants, je crois, a été un souci des équipes successives qui
qui ont suivi la revue, qui a été important et qui a expliqué finalement le succès. Le bouche à oreille a fonctionné, les gens timides se sont décomplexés en voyant les collègues qui publiaient, et c'est comme ça que finalement tous ces numéros ont pu s'enchaîner. Il y a évidemment eu beaucoup d'évolutions en 40 ans, 40 ans d'évolution de la recherche, c'est aussi 40 ans d'évolution de l'édition et de l'édition scientifique. Donc le virage du numérique, c'est vrai quand on voit ça, pour les moins jeunes d'entre vous, vous êtes tous très jeunes, mais ça rappelle le temps de la machine. Voilà, le typex et les tableaux aussi, les tableaux, les figures. Voilà, donc on a eu le virage du numérique, le virage de l'open publication, des numéros spéciaux qui sont arrivés progressivement, avec 20 ans à peu près, au milieu de cette histoire, avec évidemment du coup une visibilité plus forte, des référencements qui ont pu être améliorés. Et puis il y a des nouvelles thématiques aussi qui sont apparues, et ça c'est bien pour une maison comme la nôtre, y compris l'innovation dans le domaine de l'appui administratif, ce qui n'était pas le projet initial, et dans les sciences sociales, ce qui n'était pas non plus dans les premiers numéros. Donc ça explique aussi probablement l'importance qu'a capté finalement cette revue dans notre institut. C'est vraiment une revue qui parle à tout le monde, qui vient du corps majoritairement des agents techniques, des techniciens, des ingénieurs, mais qui s'est ouvert au métier de l'appui, qui s'est ouvert pas qu'aux sciences biotechniques, mais aussi aux sciences sociales. Ça, c'est très fort. Des nouvelles formes et des nouveaux formats de communication ont été aussi éprouvés. C'est, me dit-on, l'une des premières revues INRAE avec la revue Sciences, Eau et Territoire qui a inclus des articles avec des dessins sous forme de sketch notes. Et voilà, ça prouve que au-delà de l'héritage de cahiers, il y a cette capacité de s'ouvrir et d'innover sans cesse. Alors, changement, il y a eu plusieurs changements de rattachement, on l'a vu, entre la direction de la valorisation, l'information scientifique, et là, depuis 2019, l'ancrage à la direction pour la science ouverte à l'IPSO a été acté, et je pense que c'est un gros port d'attache pour la revue, j'espère que tout le monde en est satisfait, et en tous les cas, ça arrive à un moment où on crée INRAE, autre évidemment élément important. Et dans la création d'INRAE, on a fait le choix de mettre en avant, de créer cette direction pour la science ouverte, d'en faire quelque chose de fort. Et je pense que c'était une bonne initiative, et tout ce qu'on a fait depuis pour s'ouvrir à l'ensemble de la communauté scientifique nationale va dans ce sens-là. Alors un petit mot aussi sur les numéros spéciaux que j'évoquais, une quinzaine à ce jour, qui ont permis de fédérer des communautés de métiers, pouvait exister par ailleurs. Il y a des rencontres, notamment qui existent, les rencontres de la métrologie, les rencontres de techniciens, il y a des communautés de métiers qui vivent, et c'est très heureux. Et ces revues doivent certainement aussi apporter quelque chose pour souder des experts qui sinon seraient un peu isolés dans leurs unités. Donc je citerai le phénotypage animal, les méthodes et techniques GPS et SIG pour la conduite des dispositifs expérimentaux, les sciences et recherches participatives, les ressources biologiques, un prochain numéro spécial consacré au bien-être animal, gros enjeux aussi, un suivant à la responsabilité sociale et environnementale, la RSE, qui est évidemment une priorité pour INRAE au moment où on s'engage dans une démarche RSE. Et donc, voilà, la ligne éditoriale de NOVAE évolue, à la fois avec les apports du terrain, des experts, mais aussi en tenant compte des enjeux de la communauté de l'Institut. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Donc 40 ans, un moment pour revenir sur ce passé écoulé, voir tout ce qui s'est passé, saluer les contributeurs, tous ceux qui se sont engagés, qui ont permis cette longévité, puis c'est évidemment un moment important aussi et heureux, convivial pour se projeter dans le futur. Donc, je vais remercier pas tout le monde, je m'en excuse, mais quelques-uns des acteurs. Évidemment, le comité de rédaction avec Frédéric Lionard, co-directeur, Alexandra Badiou, coordinatrice d'édition, Michel Berger, le rédacteur en chef, Grosse Pression.
mais aussi le comité éditorial qui est à vos côtés, qui joue un rôle important, Nathalie Minigela, qui interviendra dans l'après-midi, la présidente du Centre de Bourgogne-Franche-Comté, Sabine Arbeil de la Dipso pour l'édition, Anne Jolin de Diagonale, Caroline Huguéret pour la DPT, qui a évidemment gardé un lien avec la revue, Karim Rigalma de FTLV et Michel Hébreau du Disque et de la Cloque. Sans oublier tous les référents Novae qu'il y a dans les centres, et certains d'entre vous sont là, les auteurs bien sûr, une revue sans auteur n'existerait pas, les coordinateurs des numéros spéciaux et les reviewers, et bien sûr pour finir, Odile Hollen, la directrice de la Dipso et toute son équipe qui accueille, soutiennent la revue. Voilà, 40 ans, évidemment pour ceux comme moi qui ont un peu plus, ça paraît un âge très jeune, c'est un âge respectable pour une revue. C'est, on peut dire, un âge de maturité peut-être, ça reste le bel âge. Et pour conclure, je vais sortir du domaine scientifique pour citer Coco Chanel. C'est un petit peu osé, mais je me suis dit, si je pouvais me le permettre, qui disait que si personne n'est jeune après 40 ans, on peut être irrésistible à tout âge. Donc je vous fais confiance pour rester collectivement irrésistible. Merci, madame. La suite du programme. Merci, monsieur le directeur, monsieur le président. Les deux en même temps. Avant, je voulais aussi remercier Philippe Auguin en tant que rédacteur. En tant que directeur de la publication. Ah oui, parce que rédacteur, je suis mince. J'ai fait ça à mes heures perdues. Ton nom est. Figure, oui, j'assume. Voilà, à chaque fois. Et non, mais c'est avec important. Les risques, avec c'est la gloire, il y a risque que ça ouais. Ça arrive des fois. Ça n'est pas arrivé encore sur Novae, mais sur d'autres vues de notre galaxie, dont je suis le directeur de la publication, d'avoir des retours, des fois qu'on ne comprend pas. Ouais, mais pourquoi vous avez publié cet article ? Et là, il faut optiquer. Donc sur Novae, ce n'est pas arrivé, j'ai pas de plainte. C'est ça, exactement. Voilà, et alors, pour l'anecdote, on m'a proposé. En fait, on m'a proposé initialement de devenir directeur de la publication de Novae, ce que j'ai accepté. Alors, c'était le cahier technique de l'INRA à l'époque. Ce que j'ai accepté, c'était. Le prédécesseur de Michel qui m'avait fait cette proposition. Et il y a quelqu'un de la direction des affaires juridiques qui est venu me voir et qui a dit « Tu ne peux pas être directeur de la publication. » Dommage. Le directeur de la publication, c'est Philippe Mauguin, c'est celui qui va en tôle si jamais il y a des trucs, il y a des problèmes. Donc toi, tu es co-directeur de la publication. Je confirme, j'étais là, je sais qui c'est. C'est vrai qu'il a dit ça. D'accord. Bah, si tu vas en prison, on te donnera des numéros spéciaux. Ah, c'est ça. J'emmènerai aussi celui-là, le numéro 1 qui est collector. Oui. Il est protégé, on a peine le droit de le toucher. J'ai mon bureau dans un coffre-fort. D'accord, il est sorti du coffre. Bon, là, il y avait par exemple la séparation des protéines par électrophorèse en gel de polyacrylamide. Beau sujet. Déjà, une rapresse s'intéressait à ce beau sujet. Non, mais tout est intéressant. Le cathéter jugulaire stérile, pas cher. Et ça, c'est génial. Cathéter jugulaire stérile est peu onéreux. Je vous les remercie. Déjà, l'ARS. Là, c'était. Je ne sais pas si c'est. Disons que c'était une forme d'efficience. On aurait pu dire stérile, peu douloureux, et peu onéreux. On n'avait pas encore pensé au peu douloureux. Bon, c'est super, voilà. Donc, c'est bravo. Bonne continuation à la revue, à vous toutes et à vous tous. Bonne fête aussi, puisque je n'aurai probablement pas l'occasion de vous croiser. On arrive, on se rapproche du moment, on va pouvoir souffler un peu. Ce qui fera du bien, je pense, à toutes et tous. Bonne continuation. Merci. 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 Merci.